Je dois vite aller au Lacey Towers avant que la police détruise les preuves du crime que le parrain m'a signalé. J'espère pouvoir en parler un peu. J'ai une petite histoire à te raconter, pleine de crimes et de violence. Hé, hey, doucement, je cherche pas la bagarre. J'ai un message, c'est tout. Anarchy dit que si vous voulez retirer de l'argent, vous devriez le faire maintenant. J'ai placé trois bombes là où la corruption de Gotham est à son comble. Mais contrairement à mes ennemis, je crois à la liberté de choix. Des agents sur place ont signalé des victimes qui seraient tombées d'un immeuble. Une fois l'argent disparu, on aura un nouveau système. On dit que c'est l'argent. Mais l'argent est aussi à nous. Ils sont enchaînés à notre travail, à nos emprunts. Alfred, nous avons un problème. Oui, j'ai vu. Ce monsieur Anarchy a mentionné trois bombes. Il en reste donc deux. Je dois les trouver. Nul doute que vous y arriverez, monsieur. Je suis dans votre tête. Tout comme eux. C'est moi la menace? Non, j'essaie seulement d'éduquer. Vous ne voulez pas m'écouter. Vous êtes prêts à tout gober. Seulement si les autres le font aussi. Je vous intrigue. J'ai placé trois bombes. Il faut qu'on les fasse fermer pour qu'ils la ferment. Sinon, on sera jamais libre. Vous voulez en savoir plus? C'est pas le cas? Dommage. Il ne faut pas me faire taire. Ils affichent partout sous les vêtements. Thank you.
faire mal. Tu as l'air furieux. Je savais que ça marcherait pas. J'ai placé 3 bombes là où la cour... Anarchy a raison, tu sais. Les flics s'en balancent de nous. On serait bien mieux sans eux. Tu le savais déjà, pas vrai? Protéger et servir, voilà. Les policiers qui enquêtent sur ce crime doivent avoir une station relais quelque part. Elle doit ressembler à une antenne. Elle est sûrement sur le toit. Intéressant. Même en sachant ce que tu as fait aux endroits que j'ai visés, tu les as épargnés. Désolé de te décevoir. Me décevoir? Pas du tout. Viens donc au tribunal pour qu'on puisse poursuivre le procès de Gotham. J'ai placé... Thank you.
un exemple. Je suis ravi que tu sois venu. C'est un honneur, vraiment. On a beaucoup de choses à se dire. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux te proposer une alliance. Je crois que nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. Je ne travaille pas avec les criminels. Il faut que tu te rendes à la police. Tu sais quoi ? Je me rendrai dès que tu auras fait la même chose. Mais tu te prends pas pour un criminel, pas vrai ? La tenue, les gadgets, le sens du devoir... En fait, t'es qu'un gamin friqué qui compense ses délires financiers. Quel dommage. On n'a aucune chance. Ça va être brutal. Tu ne vaincras pas notre cause. Je comprends pas.
toi et moi. On va faire un exemple. Cinq morts capitalistes. Tu n'es qu'un gamin. Et qu'est-ce que ça peut faire? Je voulais changer les choses. Je croyais que c'est ce que tu voulais. C'est vrai, mais pas comme ça. Beaucoup d'innocents ont failli mourir ce soir par ta faute. Innocents? Ils ont regardé Gotham se dégrader sans lever le petit doigt. Ils sont effrayés. Non, ils sont faibles. Exactement comme toi. J'ai placé trois bombes là où la corruption de Gotham est à son comble. Mais contrairement à mes ennemis, je crois à la liberté de choix. Je t'en offre donc un. Laisse-les exploser ou désamorce-les.